t'en quitte pas. C'est toi ? Mais qu'est-ce que tu deviens ? Ça fait une éternité que je t'ai pas vue. Ah, qu'est-ce que t'as changé ? À chaque fois que je te vois, tu changes, hein, c'est incroyable. Oh, j'aurais bien aimé rester pour papoter un peu, je peux pas, j'ai rendez-vous avec mon agent, qui m'a peut-être trouvé un rôle dans un film, j'en ai super besoin, ça fait une éternité que j'ai pas tourné, et je suis super en retard. Tu es toujours là ? Ne quitte pas, hein ? Mais dis, au fait, le cinéma, ça t'intéresse toujours, toi, non ? Il y a un festival en ce moment, et je pense que j'ai un fly sur moi. Attends. Voilà, c'est ça. Tu es là ? Oui, ne quitte pas, hein ? On n'a qu'à se retrouver là-bas. J'y vais mardi à 14h, parce que là, faut vraiment que je file. On se voit là-bas, puis on ira prendre un café. Il y a un bar super sympa à côté du ciné, ok ? Allez, à plus. Allô ? Genre, je me fais un film. On se connaît pas ? On s'est vu quoi ? Une, deux fois, pas plus ? Tiens, je l'ai vu lundi dernier. J'étais dans ma voiture. Je m'arrête, on me klaxonne, je suis obligé de repartir et disparu. Tiens, sinon, je l'ai vu un jour à la sortie d'un cinéma. Je l'ai suivi, je l'ai vu entrer dans un café et... Je crois que je vais y aller ce soir pour voir. J'ai envie de lui dire. Oh, ça me monte à la tête, je te jure. Je me suis tourné la scène des milliers de fois et je sais toujours pas ce que je vais lui dire. Faire une déclaration comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas. Oh, c'est quelqu'un, je te jure, son regard. Qu'est-ce que je donnerais pas pour me voir dans ses yeux ? Dis, tu la ferais comment, toi, ta déclaration ? Tu lui jouerais le grand jeu ou... Mais non, 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 non. Non, non, je te connais, toi. Toi, t'es beaucoup trop timide. Toi, tu préfères passer par un intermédiaire, hein. Ouais. Enfin, tu me diras, là, je suis pas beaucoup plus téméraire. Bon, je fais quoi ? Je me lance ou... Et si je lui écrivais un poème ? Ah oui, c'est bien, c'est un poème. Un poème. Non, 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 c'est ringard, le coup du poème, ça. Oh, et puis on s'en fout après tout, quoi, c'est l'amour. Hein, je sens plus profond de moi que si je lui dis pas, ben je le regarderai toute ma vie. Oh merde, putain, ils sont en train de projeter mon film, faut que j'y aille, moi. Merci pour le café. Tu me racontes pas, hein, salut. J'ai vu un film l'autre jour, c'était bizarre. Il y a des fois, tu te demandes ce qu'ils veulent dire, hein, quand même. J'aime pas quand tu comprends rien à l'histoire. Ah, mais tu sais, le rendez-vous avec mon agent l'autre jour, là, pour le film. Putain, le réel, il a l'air complètement barré. Alors, il veut faire un film sur une relation virtuelle. Du coup, c'est l'histoire d'une nana qui rencontre un type sur internet que tu vois jamais, et puis le type finit par la plaquer en lui envoyant un mail. Enfin, bon, le truc génial, c'est qu'on verra que moi, mais ça va être compliqué à jouer comme situation, je pense, hein. Alors lui, ce qu'il veut, c'est créer une frustration chez le spectateur, tu vois. Il pense que comme ça, tu seras obligé de vraiment réfléchir sur la relation. Enfin, ses concepts, quoi. Ouais. T'en penses quoi, toi ? Ah, ça y est, ils ouvrent. Mesdames, Messieurs, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous ce soir le réalisateur du film. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir. Je ne sais plus très bien. C'est pas très grave de toute façon. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé. Merci. Merci beaucoup. Non, ce que je voulais, moi, avant toute chose, c'est qu'on se pose une question. La question. Qui ? Ah oui, de qui s'agit-il ? À qui envoie-t-il son message à la fin ? Vous savez, au début, j'avais pensé interpréter le rôle moi-même. Mais bon, j'ai beau faire un peu le fanfaron, là, devant vous, on ne peut pas dire que j'ai le moindre talent d'acteur, alors j'ai préféré laisser faire Yann, il est bien meilleur acteur que moi. Non, le plus important dans un film, et ça, c'est mon rôle, par contre, c'est de rendre crédible une fiction. Monter une histoire. Commencez quelque part et vous menez jusqu'à un endroit précis. Vas-y. Bah oui, vous avez remarqué qu'aucune solution n'est donnée à la fin du film. On se demande à qui le message s'adresse. On pourrait penser à n'importe qui. Eh ben non, pas du tout. Le message s'adresse vraiment à quelqu'un de précis. En voyant le film, vous verrez. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
l'impression. Ah oui, mademoiselle. Oui, effectivement. Ah, merci. Avec un micro, ça marche plus. Ouais. Oui, effectivement, moi, j'ai pas tout compris, personnellement. Hein. Mais c'est vrai qu'éventuellement, on peut trouver à qui le message s'adresse. Du coup, ma question se porte plus sur le sens du message, en fait. Quel est l'objectif du film, si éventuellement il y en a un? Oui. Bon, bah, d'abord, merci. C'est une très bonne question. En fait, tout est dans le titre. C'est ce que j'ai voulu faire. Moi, je vous en veux pas, hein, si vous n'avez pas tout compris. J'espère que vous ne m'en voulez pas non plus. Mais d'un autre côté, je ne vous ai pas contraint, moi, à venir dans cette salle de cinéma, acheter votre ticket, venir ici. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche? Parce que le but de tout ça, c'est d'échanger. Si moi j'écris un scénario que personne ne lit, si je réalise un film que personne ne regarde, tout ça, ça n'existe plus. Ça disparaît. Pas d'image, pas de son, pas de film, pas de cinéma, pas d'idée. Et je n'existe plus. Enfin, je disparais, en tant que réalisateur, pas en tant que... Voilà, donc le spectateur a donc un rôle éminemment important à jouer dans l'identité d'un réalisateur. On est sans arrêt en train de converser avec lui. Voilà, donc en conclusion, je dirais ceci. Pour jouer mon rôle, j'ai besoin que vous jouiez le vôtre. Voilà, donc merci à vous. Merci à vous d'essayer comme moi de jouer votre rôle dans ce petit jeu où j'espère que chacun pourra trouver sa place. Merci. Ouais, deux cafés, s'il vous plaît. Tiens, viens, on va là-bas. J'aime bien cet endroit. C'était pas faux ce qu'il disait sur le rôle du spectateur. Hein. Si j'existais pas, si t'existais pas, il existerait pas non plus. C'est marrant comme idée, non? Bon, tu me diras, c'est comme dans la vie. Hein. Finalement, tu peux pas aimer tout seul. Jouer aux cartes tout seul, ni même penser tout seul. T'as toujours besoin de quelqu'un d'autre pour être toi. Café. Merci. Quand c'est torturé son machin aussi, parce que du coup ça en finit plus. S'il fait pas son film, s'il n'existe pas, alors nous non plus on n'existe pas. Moi j'aurais rien à tourner et toi là, t'aurais rien à faire en face de moi. Tu serais pas spectateur. Eh mais attends, on dirait que c'est lui qui arrive, regarde. Non mais discret. Il va te calculer. Oh, c'est marrant, on dirait qu'il attend quelqu'un. Oh non, il se dirige vers nous. Oh merde, il va m'engueuler d'avoir rien compris à son truc. Oh, tu lui dis pas que je suis actrice, ok? Salut. Salut. Je m'excuse de te demander ça, mais... c'est un peu bizarre comme demande, j'en ai conscience, mais... Je peux prendre ta place, j'ai vraiment besoin de lui dire quelque chose. C'est très important pour moi. Ok. Merci. Je me permets, je suis désolé. Alors voilà, on se connaît pas ou peu et j'aimerais que tu m'écoutes attentivement sans m'interrompre. Rassure-toi, ça ne sera plus très long. Alors voilà, je t'ai écrit un poème et je voudrais te le dire. Être là devant toi, c'est un peu traverser un orage en hiver. C'est aussi hasardé que la neige en été, qu'une averse inversée, qu'un étage à l'envers qui fait sol sous mes pieds. Je suis là devant toi sans vraiment exister. Toi, l'otage en portrait. Moi, le visage fardé sur la toile, qui fait que tu vois persister mon image aussi vrai qu'un mot sur le papier. Le scénario défile. À mesure que l'acteur que je suis réagit pour franchir cet obstacle, cette distance infime qui sépare nos deux cœurs, la raison pour laquelle je mets autant d'ardeur, j'emploie tant d'énergie à m'offrir en spectacle. Ouais,
j'existe dans tes yeux, spectateur.